en entrant dans la dernière partie de l'exposition, on est accueilli par les niobides reproduites sur des kakémonos. Elles ont été dessinées par Catherine Meurice dans le cadre de performances qu'elle a réalisées à partir de 2017 à l'invitation du Festival Concordance avec la danseuse et chorégraphe Didi Dorvilliers. Elles s'étaient rencontrées à la Villa Médicis autour des niobides, un groupe de statues installées dans les jardins de la villa, et partageaient une émotion très forte face à ces figures des enfants de Niobé massacrés. On l'a vu précédemment, Catherine Meurice a cessé de pratiquer le dessin de presse et s'est installée dans un nouveau temps de la création. Elle a besoin de lenteur, mais je la cite, « mon dessin ne doit pas s'avachir » et elle veut continuer d'apprendre. Dans cette reprise du travail de diplôme des Arts Déco, on a l'impression que Catherine Meurice se libère. Elle réinterprète des tableaux fameux du peintre dans de grands formats et c'est un Delacroix flamboyant qu'on découvre avec des peintures splendides comme ce cheval arabe de Jéricho ou cette version de la mort de Sardanapal éclatante de couleurs. On y perçoit une jubilation et une grande liberté tout en reconnaissant les figures originelles. Nous voyons ici une peinture pour Zadig. Zadig est une revue trimestrielle créée en 2019 qui entend redonner sa place au récit dans le traitement de l'actualité et dont le mot d'ordre est « Toutes les Frances qui racontent la France ». Zadig est une revue thématique. On voit là l'illustration du numéro consacré au travail où l'influence de Sempé est très nette. En 2018, elle fait une résidence dans la prestigieuse villa Kujoyama à Kyoto, à la recherche de la beauté orientale. Elle travaille et voyage sur les traces de l'écrivain japonais Soseki. Elle est alors à la recherche d'un choc esthétique et la nature, les volcans, l'architecture l'inspirent. Lors d'une nouvelle résidence en 2019 sur l'île d'Iki, une petite île de pêcheurs et de paysans au sud-ouest du Japon, elle réalisera cette série de peintures pour une exposition dans le musée d'art de Lille. Elle s'inspire de l'histoire et de la mythologie du lieu, réinventant des démons et des géants qui se mêlent au paysage. Les couleurs sont là plus pastelles, distillant une douceur qui émane souvent de l'esthétique japonaise. Elle évoque d'ailleurs la question de la puissance de la nature et de l'étrangeté familière qui nous étreint au Japon. Catherine Meurice est une grande artiste qui nous fait rire et nous émeut. Nous attendons avec impatience son prochain album qui aura pour cadre le Japon.